Mon nouvel invité vient tout juste d'arriver de Paris pour une série de concerts. Je crois qu'il va y en avoir quatre. Enfin, il y en a déjà eu un premier à l'Hôtel Saint-Georges de Saint-Claude ce jeudi. Nous sommes le vendredi. Je ne peux perdre les dates. Je me perds les dates dans le vendredi 5 novembre. Mais cher ami, vous êtes trop occupé. C'est ça. Vendredi 5 novembre. Mon nouvel invité est avec nous. On parlera avec lui de jazz, de zouk, de piano. Jusque-là, tout va bien. De musique. De musique, de sa carrière, de son actualité. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio 96-101-103.2 FM. On commence par un petit mix que j'ai choisi, qui retrace un peu de grandes compositions de cet invité. Et puis vous découvrirez après cette première pause musicale qui est avec moi aujourd'hui, en ce vendredi 5 novembre. On ne se trompe pas de date. Before by Rebecca. C'est la moindre.
On s'est mis dans l'ambiance de ce nouvel épisode de Before by Rebecca avec mon invité qui n'est ni Olivier-Jean Alphonse, ni Serge Ponsard, ni Tony Chasseur, mais un de nos plus grands musiciens, compositeurs, pianistes, monsieur Mario Canonge. Bonjour. Tu as vu comment là j'ai commencé à reprendre le pli. Je vois ça. J'étais un peu, voilà, un peu intimidée. Alors c'est marrant parce qu'on se connaît, on a l'habitude d'échanger, nous avons dû travailler ensemble. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir, une espèce d'émotion de recevoir des personnes comme toi. Oh. Bah oui, parce que je me dis qu'on va passer. Ne me faites pas rougir sur cette télé. Je me dis qu'on va passer une heure ensemble et qu'on va parler de tellement de choses. Là, on a vu un petit condensé de choses qui se sont faites il y a plus de 24 ans. Je sais pas, il y a quelques mois, un certain nombre de mois, peut-être des centaines de mois. Et j'avais vraiment envie voilà, qu'on voit, hein, qu'on revoie en tout cas ces images, des images que tu as eu l'air de toi redécouvrir en tout cas. Oui, c'est vrai. J'ai pas trop l'habitude de me regarder, ni de m'écouter d'ailleurs, pas trop. Mais voilà, je regarde ça avec plaisir, il y a des souvenirs qui remontent. C'est incroyable. Quoi. Mais on est quand même sur des compositions. Effectivement, souvent, on oublie, on connaît les interprètes. Ouais. Et puis souvent, bah, c'est, hein, on va te dire, oui, c'est un tel qui chante. Ah oui, mais qui a créé, qui a réalisé, qui a composé? Oui. Et puis j'écrivais les paroles, les textes également. Ouais. Et bon, voilà. Alors justement, je t'informais en commençant l'émission que je n'avais pas mis d'images de Sakio dans cet épisode, puisqu'on en a longuement parlé avec Jean-Philippe Fanfan, que j'aurais su il y a quelques mois. Oui. Mais c'est vrai que même pour Sakio, par exemple, tu me faisais remarquer que pourtant, hein, dans les grands succès de Sakio, comme par exemple Bisous Sucrés, que tu étais aussi à l'origine de... C'était une de mes compositions. Et Avec Sakio, je fais un petit aparté, on avait travaillé beaucoup, Michel Alibo et moi. On avait préparé les choses beaucoup. J'allais chez Michel tous les jours, il avait un petit 4 pistes à l'époque. Oui, des 4 pistes, vous vous rendez compte. Quand on dit ça maintenant, les gens rigolent. Je ne sais même pas si j'ai connu ça. Donc il avait un 4 pistes, moi j'avais rien. Et je venais avec mon synthétiseur et on cherchait des trucs. Voilà, on voulait faire une musique qui soit populaire, hein, qui soit assez commerciale, mais qui soit ce qu'on était nous-mêmes, c'est-à-dire avec toutes nos influences. Et puis on a réussi à sortir quelque chose d'assez original. De belles choses. Alors justement, Sakio, tant qu'à faire, hein, on en parle. Allons-y, parlons de Sakio. On se souvient de cette pochette mémorable, en fait, qui reste avec vos portraits, avec vos profils, tu sais. Là aussi, vous étiez... Jeune et beau. Sakio, l'aventure, c'est une aventure. Alors, moi, j'aime bien, quand je parle justement de vos carrières respectives, que ce soit toi, que ce soit Jean-Philippe, que ce soit Tony Chasseur, on a l'impression que vous connaissez depuis toujours. Hein, oui, vous commencez vos carrières en même temps, j'ai envie de dire. Pratiquement, enfin, Tony, je le connaissais depuis la Martinique. Hein. Jean-Paul Pognon, je l'ai connu plutôt à Paris. Michel, ça a été un des premiers que j'ai fréquenté dans les séances de studio d'abord. C'est même le parrain de sa fille. et puis Bago, oui. Bago qui était, oui, dès le départ, parce que Bago a toujours été avec moi dans les groupes, même dans le groupe Ultramarine. Exactement. D'ailleurs, les images que j'ai retrouvées d'Ultramarine, que j'ai récupérées sur la chaîne YouTube de Bago. Ah, ouais, voilà. On en trouve de belles moi, choses. Moi, je n'ai rien. Demande, tu sais bien qu'à part les percussions, tu sais qu'il est fan d'images. Et c'est, oui, vrai, c'est que, vrai que si Bago, tu veux des photos, tu veux des vidéos. Bago nous a toujours dit qu'un jour, il va sortir quelque chose, parce qu'il a toujours fait beaucoup de photos. Il doit avoir beaucoup de souvenirs de plein de concerts, de tournées. Je pense qu'il a plein de choses. Un jour, il sortira un bouquin avec tout ça, je pense. Ben on espère. Voilà. On croise les doigts. Voilà. Ouais. Et puis, donc on disait Tony, que j'ai fréquenté depuis longtemps. Oui, Tony, Michel. Michel Alibo, Bago, alors les frères Fanfan, les deux frères, Thierry et Jean-Philippe. Thierry évidemment n'était pas dans Sakio, mais Thierry, on a joué avant qu'on monte le groupe Cannes avec les deux frères Fanfan et Bago, avant ça, je jouais déjà avec Thierry. Et
Jean-Philippe, il vous a dit comment on l'appelait à cette époque-là? Je ne pense pas qu'il m'ait avoué ça, mais moi je veux bien, j'attends que tu me fasses une révélation. Tu ne vas pas m'en vouloir, on l'appelait le petit genou. Le petit genou, c'est quelque chose qui pourrait encore lui coller à la peau d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Parce qu'on voit que les années passent. J'aimerais bien qu'on me dise ça. Les années ont aucun impact sur son visage. Et voilà, c'est vrai que je jouais déjà avec Thierry, Jean-Philippe est arrivé un peu après. Et puis voilà, puis on a fait plein de projets ensemble, quoi. Il y a eu Cannes, il y a eu Sakio, il y a eu Sakécho aussi. Voilà, puis il y a eu tellement de choses. Et puis souvent, en plus, c'est vrai que vous êtes aussi dans une grande famille de musiciens. Puis quand il y en a un qui manque à l'appel, on appelle l'autre copain qui est libre. Et puis voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui partent aussi sur les routes et en tournée. Mario Canonge, je ne vous ai pas demandé en commençant l'émission, mais alors comment va Mario Canonge? Il va bien. Les concerts ont recommencé. Avec d'abord à l'Hôtel Saint-Georges. Ouais. Et puis la tournée continue. C'est une tournée organisée par Jérôme Castries. C'est lui qui m'a fait venir avec l'association Tempo, avec Alex Bernard à la basse. Donc un trio. Où on jouera mes compositions. Divers et variés. De toute façon, bien sûr, on va en parler tout au long de l'émission. Mais c'est vrai que si tu nous fais l'honneur d'être là, ne serait-ce que dans Before by Rebecca, c'est pour cette tournée. Et puis, en fait, on aime te savoir et te voir en Guadeloupe. Tu vois, tu es en plus un habitué des scènes ici. Je me souviens d'une époque, du côté de Bemao, à la Casa. Ah oui, j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup en Guadeloupe. Alors, ça fait presque 2 ans que je ne suis pas venu. À cause du Covid. À cause du Covid. D'ailleurs, l'association Tempo a renvoyé plusieurs fois déjà ma venue à cause de ça. Bon, là, les choses ont l'air de. Il faut croiser les doigts, de reprendre un petit peu. Et c'est tant mieux, on a besoin de ça, on a besoin de jouer, de retrouver le public. Les musiciens ne sont heureux que lorsqu'ils sont devant le public. Oui, n'est-ce pas? Ouais. Surtout toi, derrière ton piano. Moi, j'adore ça. J'adore. J'en parlais avec Jérôme tout à l'heure. Je suis pas un fan des très grandes scènes. Ouais. Et j'aime les scènes où je vois les gens, où les gens sont à côté de moi. Et c'est ça qui. D'ailleurs, dernièrement, on s'est raté parce que j'ai fait quelques petits jours à Paris. Je suis allée voir justement la présentation de l'album de Jean-Philippe Fanfan du côté du Sunside à la rue des Lombards. Et en fait, Tony me disait mais Mario est à côté. Mario jouait dans une salle que tu adores, que tu connais par cœur. C'est le Baiser Salé. Je joue là minimum une fois par semaine. Je joue là en duo avec un contrebassiste. On joue des standards de jazz. Mais par ailleurs, j'y joue avec d'autres formations. Voilà. Tu fais plein de choses. Alors c'est vrai que moi, en préparant l'émission, je lisais justement quelques biographies te concernant. Et puis, ce qui revient beaucoup, c'est que voilà, on parle de Mario, du jazz au zouk. Est-ce que ça te va, toi, justement? Moi, je parle de... C'est musique ou café? Voilà, exactement. Je parle de musique. Je suis un Caribéen, donc je suis né à Martinique. J'ai eu la chance d'écouter plein de musique et de jouer avec plein de musiciens qui viennent de partout dans toute ma vie musicale. J'espère que ça continuera. Mais j'ai joué beaucoup de musique africaine, de musique latine. Avec des latins, de jazz, avec des américains ou avec des gens qui aimaient le jazz, de musique de chez nous, Biguine, Mazurka, Zouk, etc. Ou alors des choses plus mélangées comme ultramarine. Ce qu'on appelle toujours jazz fusion. Jazz fusion, jazz rock à l'époque. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc j'ai eu la chance vraiment de rencontrer beaucoup de musiciens et puis de voyager au-delà des mers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle pause musicale, justement. Alors, j'ai essayé de décortiquer un peu cette carrière musicale au travers des images. Il y a énormément d'images de Mario Canonge sur Internet. On a refait un nouveau mix pour un peu voir aussi tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu fais encore. Une partie. Combien d'années de carrière? Oh non, je vais pas dire d'accord. Ça. Mario Canonge dans Before by Rebecca. On revient en plateau juste après cette deuxième pause musicale.
J'ai si longtemps rêvé de ce pays lointain que j'ai réinventé, c'est oui, c'est ses parfums. Les rythmes d'aujourd'hui, mais les hauts sont liés. Ce qu'en demain on s'agit, les chauffeurs en hiver. Parfois il vole quand, et parfois il flotte. J'en connais les beautés, j'en connais les douleurs. Des contes oubliés, naissent du souvenir, entre les pleurs. Mario Canonge. Oui. Que venons-nous de voir ? Non, mais en fait, alors là, voilà, j'ai voulu montrer justement cette maîtrise, on va dire, de ton instrument. Oui, là, j'ai vu des extraits de, avec Ralph Tamar. Alors, avec Ralph, évidemment. Encore un acolyte, encore un complice. Une vieille histoire également. On joue depuis des années et des années ensemble. On a fait beaucoup, beaucoup de il y a eu beaucoup de collaborations. Nous avons fait un album, d'ailleurs, hommage à Marius Cloutier. Marius Cloutier, oui. Tous les deux, c'était en 1994, si je ne m'abuse. Et puis, Ralph a chanté beaucoup de mes chansons. Mmh. Et j'ai, tu peux les nommer. Hein. Laissez parler, laissez par parler, exemple. Ouais. Si où ça arrivait, Dimanois. Non, mais il y en a plein. Hein. Plis ou gadez-moi. Enfin, je me souviens. Il y en a plein. Bella Mulata, je sais plus, enfin il y en a pas mal. Et j'ai composé aussi pour lui dans ses albums. Donc il y a eu beaucoup de
on a travaillé beaucoup ensemble, on continue. D'ailleurs. Et puis on peut dire que c'est vraiment un vieux frère aujourd'hui. Ah oui, ça fait... C'est pareil. La première fois que j'ai joué avec Ralph, je me souviens, j'avais 20 ans, voilà. D'accord. Mais je te disais, c'est pareil. Aujourd'hui, Ralph va t'appeler. Voilà. Mario, j'ai une idée, j'ai un concert, j'ai quelque chose. Ah oui, si non, dispo, mais avec Ralph, on s'appelle très régulièrement. Hein. On s'appelle. Il ne se passe pas 15 jours si on ne s'appelle pas. Hein. On s'appelle très régulièrement, c'est mon pote, quoi. Et alors, quand il y vit en Martinique, je vis à Paris. Et donc, oui, on a des projets. Et là, ce qu'on a vu, là, c'était un concert en France, je ne sais plus où. C'est au Saxe. Ça va être dans le côté 78. Ah bon, il me semble, oui. C'est du côté 78. C'est le côté de HR. D'accord. Et donc voilà. Et puis après, il y avait un extrait au Sunset en Martinique. Et en dernier lieu, c'était lors d'une démo autour de la batterie. Ouais. C'est Jean-Philippe qui était branché dedans et on avait joué un morceau à moi qui s'appelle Konjab Jigiji. D'accord. Voilà. C'est toujours très poétique avec toi quand tu composes et quand tu choisis justement le titre de tes chansons. Comment ça se passe en fait? Tu te dis, tu as une idée, tu as envie de composer. Ah oui, il y a une histoire en fait avant même que tu crées la chanson, la musique. Non, pas forcément. Non, pas avant. Mais pour moi, d'abord, lorsque je propose un morceau sur un album, il n'est pas là pour remplir l'album. D'accord. Sinon, je ne le mets pas. Mmh. Si je ne suis pas content d'une composition, je ne l'enregistre pas. Donc il n'y a jamais de remplissage. Ouais, quoi. Okay. Donc j'essaye d'être. Donc quand je compose d'abord la musique. Maintenant, ne me demandez pas comment je compose. On parlera du génie, Mario Cano. Non, c'est pas du génie, mais je veux dire, ça vient ou ça ne vient pas. Des fois, ça vient et des fois, ça ne vient pas. Bon, pour faire humble, on dira créativité. Voilà, donc quand ça vient... Inspiration. Ensuite, quand si ce sont des morceaux instrumentaux, bon, l'histoire est réglée, mais si je dois... Si ce sont des morceaux destinés à être chantés, je me penche sérieusement également sur le texte. Et en général, les textes sont, je crois, enfin, en tout cas, j'essaie de faire des textes qui racontent quelque chose. Et d'ailleurs, dans l'ordre des morceaux qui sont sur un album, il y a également une histoire. Il y a un fil conducteur. Les choses, c'est pas par hasard. Et puis, voilà, et évidemment, dans les titres d'albums, sont très importants, ça raconte également une histoire. Lorsque j'ai enregistré Retour aux sources, c'était pour dire que je ne vivais pas en Martinique et que j'avais envie de faire ce retour. Arôme Caraïbe, c'est les odeurs, c'est les traits d'union. C'était pour moi un trait d'union entre les îles de la Caraïbe. C'est pour ça que les morceaux sont il y a des rythmes différents, du calypso, au compas, la biguine, mazurka, au zouk. Voilà, c'est le trait d'union. Donc, Carte Blanche, c'était open. Shawa, je voulais emmener les gens avec moi. Donc, tout a une. Il y a tout plein dans l'album. Hein. Voilà. Moi, je repense à Rhizome. Rhizome, ça a une signification toute particulière liée au poète Édouard Glissant. D'ailleurs, c'est lui qui avait écrit une préface sur cet album. Rhizome, c'est pour signifier que c'est quoi le principe du rhizome? Ce sont les racines qui vont. Qui vont dans tous les sens, mais sens, avec ouais. une base, quoi, un poteau mitant. Voilà, c'est pour dire que nous avons notre culture, mais qu'on est ouvert sur d'autres choses, sans oublier ce que nous sommes. Quoi. Combien d'albums en tout, Mario? Comme tu n'as pas voulu me donner le nombre d'années de carrière déjà, on va parler en nombre d'albums. Si c'est d'albums en mon nom, je sais pas, 15 ou 16, peut-être, quelque chose comme ça. Avec un dernier en date. Le dernier, c'est avec Eric Durand, Capital. Capital. Il y avait un Zouk Out aussi. Juste avant Zouk Out. Voilà. Et tu t'éclates comme ça à faire des albums. Et je pense que, vu comme tu crées, il me semble qu'on va encore avoir de belles choses à venir. J'espère. Mais pendant le confinement, je n'ai jamais autant composé de toute ma vie. Donc, j'ai de quoi en faire encore. Plusieurs, oui. Mais je compose tout. Enfin, je ne cherche pas à composer en fait, en réalité. Des fois je joue, il y a des choses qui viennent et je profite d'une idée que je développe.
Et des fois, ça peut partir juste d'un titre et qui, ça peut finir en 20 titres. Non, c'est pas. Non, enfin, là, c'est. En général, en fait, je compose lorsque je me dis que je vais enregistrer un album. Donc, je compose les choses un peu à la suite. Mais pendant ce confinement, c'est vrai qu'on est. Comme on était plus souvent à la maison. À la maison, ouais. Et j'ai écrit. Pas mal de choses. Justement, enfermé comme ça, la créativité est différente, les inspirations viennent différemment ou... Non, je n'étais pas enfermé. Oui, parce que tu m'as avoué que tu avais un grand jardin. Oui, je n'étais pas enfermé. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment souffert de ça, en dehors du fait que je n'ai pas joué. Devant un public. Mais j'ai continué de travailler. Mais il y a toujours moyen, effectivement, d'envoyer les pistes aux copains par Internet, voilà. Faire quelque D'ailleurs, chose. On a fait des choses comme ça. Mm-hmm. On a fait des choses comme ça. C'est vrai que cette histoire de confinement a été quelque chose de très spécial et quelque chose de spécial, mais qui a permis de développer d'autres choses aussi. Il y a eu beaucoup de concerts online. Quoi. Ouais. Une nouvelle façon de faire effectivement vivre la musique. Et ce qui est bien, c'est que toutes les générations de musiciens s'y sont mises, en fait. Et c'est, oui, enfin, ça veut dire que, quelles que soient les situations, on s'adapte. On se réinvente, quoi. Et ça, c'est bien. C'est le propre de l'homme, de trouver des façons de s'en sortir. On va refaire une pause musicale et là, ça me tient à cœur parce que c'est une période de ta vie, je pense, qui restera gravée à tout jamais. En tout cas, pour le public qui aime effectivement cette musique de Maria Kanonge, ce qu'on appelle ce jazz fusion, c'était une belle époque. On regarde ça en image et puis on revient en plateau en discuter. Avec plaisir. Woo!
Alors justement, c'est pour ces moments que je me disais émue et assez intimidée en commençant l'émission, parce qu'on se dit, ben, on connaît la carrière, je connais la carrière de mes invités, mais je sais que dans cette carrière, il se passe des choses, on le voit à travers ces images, ultramarines, une belle époque. Oui. Tu te souviens que c'était l'Olympia? Ça, c'était à l'Olympia. C'était, en fait, le groupe n'existait déjà plus depuis longtemps. Hein. C'est Thierry Fanfan qui avait monté un festival et donc il nous avait demandé, il voulait absolument, il n'avait jamais vu Ultramarine. Ultramarine, ouais. En fait, il voulait absolument voir Ultramarine. Il m'a dit, écoute Mario, essaie de demander au musicien de l'Ultra de remonter. Et là, on a la belle brochette. Alors, moi, juste le bassiste, je suis fan. Etienne Mbappé. Etienne Mbappé, Mokhtar Samba, batterie, Nguyen Le à la guitare, Pierre-Olivier Gauvin, saxophone, Bago, percussion et moi-même au piano et synthé. Est-ce que tu peux nous reparler de cette époque? Je sais que c'est assez embêtant des fois pour vous, musiciens, avec ce long carrière. Oui, marque en fait en même temps l'histoire de la musique aussi antillaise, quelque part. Ultramarine, c'est un groupe qui est né en 1983. Et j'avais connu le guitariste Nguyen Le. On dit Nguyen, nous on l'appelle Nguyen, la prononciation. D'origine ? D'origine vietnamienne. Et Nguyen, je jouais avec lui, on jouait du jazz dans les années 80. Je ne savais même pas qui jouait. Il était à la basse, je ne savais même pas qu'il jouait de la guitare au début. Et puis, au fur et à mesure, bon, un jour, il m'a dit, voilà, je joue de la guitare. Et on a commencé à jouer dans des petits groupes où on jouait des standards, des choses comme ça. Et puis un jour, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas... on ne montrait pas un groupe, on jouerait nos compositions. À cette époque-là, Ultramarine n'était pas... On a monté le groupe Ultramarine. C'est d'ailleurs mon frère qui a trouvé le nom. Le nom Ultramarine. Enfin, il y avait une composition de Nguyen qui s'appelait Ultramarine. C'était un morceau et on cherchait un nom de groupe. C'est mon frère qui m'a dit, mais pourquoi vous ne l'appelez pas Ultramarine? Et donc, on a effectivement... Et toi, justement, quand ton frère te suggère ce nom, qu'est-ce que ça t'inspire déjà à l'époque? Non, en fait, c'était très bienvenu parce qu'on venait tous de lieux différents. Donc, le nom était tout trouvé, quoi. Oui, parce que là, en plus, là, on rappelle, hein, tu viens de la Martinique, Bago aussi. Oui, alors, il faut dire que à cette époque-là, le groupe n'était pas celui qu'on a vu tout à l'heure. Il y avait un violoniste qui s'appelait Jean-Luc Pinault qui lui était italien. Il y avait un batteur qui... Il y en a eu plusieurs. Hein. Il y en a eu un qui était à un moment camerounais, qui s'appelait Valérie Loubé, qui est décédé depuis. Il y en a eu un autre à un moment, un anglais qui s'appelait... trouver son nom, j'espère qu'il n'en voudra pas. Ça va revenir. Mais non, mais de toute façon, c'est vraiment pour marquer effectivement le fait qu'il y ait beaucoup de... Et puis, c'est ça. Et puis, on venait tous d'horizons différents. Et puis, le groupe finalement définitif, d'abord, on a enregistré un album. On a fait les deux premiers concerts, je me rappelle, de ce groupe Ultramarine en 1983. Les deux premiers concerts, c'était deux concours. D'accord. Et on a gagné les deux. Juste ça. On a gagné les deux. Et le deuxième concours, c'était le concours de la Défense. Et j'ai eu le prix du piano de la Défense en 1983. Moi, je suis toujours, et vraiment, hein, je le dis vraiment sincèrement, ébahi quand je vous écoute raconter vos carrières. Et on sait, hein, pour ceux qui s'intéressent un peu plus à la musique et aux artistes, de cette humilité que vous avez de parler de vos carrières et de votre talent. Oui, enfin... C'est pas rien. Et puis même Ultramarine, quand on cherche aujourd'hui, ça revient souvent. C'était considéré comme le groupe, la formation jazz par excellence de l'époque. Mais on s'en rendrait pas compte, hein. Mais c'est lorsque c'est en voyageant qu'on s'en est rendu compte. J'ai rencontré des gens à Cuba qui écoutaient, qui avaient des cassettes d'Ultramarine. J'ai rencontré des gens aux États-Unis, je me souviens, lors d'une tournée qu'on avait faite, c'était dans le sud des États-Unis, le festival Lafayette. Ouais. Des gens qui me disaient Ultramarine. Et puis quand je suis allé sur le continent africain,
j'allais, par exemple, il m'est arrivé d'aller manger dans un restaurant et j'entends un groupe qui joue des morceaux d'Ultramarine et j'étais et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut le dire, 2021, on est sûr que tous les mélomanes du monde ont dans leur discographie au moins un album d'Ultramarine. Ouais, et nous étions les premiers étonnés, on savait pas, hein. Et j'ai un morceau, c'est celui qu'on a entendu tout à l'heure, qui s'appelle Yele Congo, qui a été repris par un groupe brésilien qui s'appelait Araketu. C'est un groupe qui vendait des millions d'albums. Ouais. Et un jour, ils m'ont jamais dit, hein, ils ont pris le morceau, ils ont même pas mis Yele Congo, ils ont mis Yele Congo, ils ont mis ça avec, et le compositeur, ils ont mis Mariu, Carouge, enfin un truc à peu près, quoi. Et bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Je te demandais justement, est-ce que Ultramarine avait joué aux Antilles? Tu me disais oui. T'as des souvenirs de ces dates? Oui, on a joué. On a joué en Guadeloupe. On a joué pas beaucoup en Guadeloupe, mais on a joué. On a joué une ou deux fois en Guadeloupe, en Martinique un peu plus. Pas énormément, mais on a dû jouer 3-4 fois, hein, je pense, en Martinique. Et justement, tu peux saluer la Martinique, hein, parce qu'on est visible aussi en télé. Première diffusion ce vendredi soir à 20h30 sur Éclair TV, canal SAT Caraïbes, chaîne 23. Non, mais je tiens aussi à saluer la Martinique, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de retours des personnes qui suivent en Martinique et des amis musiciens. Donc, on salue. Et puis, c'est un honneur pour Before by Rebecca, effectivement, de recevoir monsieur Mario Canonge. Mario, on se fait une autre pause musicale. On va vraiment essayer de voir l'étendue de ton talent. Là, c'est une formule trio. Un peu, c'est ce que tu aimes aussi. Je sais que ça te permet, toi, de pouvoir t'envoler. J'aime cette formule, oui. Elle est libre. Libre. On va se regarder ça. Before by Rebecca avec Mario Canonge et on revient au plateau. Thank you.
C'est un peu ce qu'on va continuer de vivre, hein, avec le tempo de jazz créole, avec Jérôme Castry et Alex Bernard. J'espère bien. Hein, oui. On rappelle que tu es en Guadeloupe pour quelques dates. Une première qui a eu lieu à Saint-Claude, à l'Hôtel Saint-Georges. Exactement. Et puis on poursuit avec Marie Galante, hein, du côté de l'usine de Grand Anse, ce vendredi soir. Samedi pour Louis. D'ailleurs, on salue Camille Pelage, qui est venue m'emmener gentiment mon passe pour assister à ce concert. Et puis, tu vas finir en beauté avant de t'envoler une petite journée en Martinique, à part Pointe-Noire, du côté du Plaisir. Ouais. Alors, je sais que ça, c'est un lieu que tu vas particulièrement adorer. Déjà, ton ami Raph Kamar est passé par là. On en a parlé, on m'a dit que il a laissé très, un très souvenir. Beau. Ouais. Ouais. Pas mal. Donc, avec plaisir. Mario Canonge en trio. Et là, on te voit un peu plus posé, mais toujours quand même très concentré sur ton clavier. Très dans le... Oui, le trio, c'est particulier. Oui. Hein, c'est... Oui, c'est ça que c'est, c'est la formation qui me convient, que j'aime, parce que je suis dans une liberté. Il y a évidemment il y a une trame qui est là, mais le piano peut s'exprimer. Et voilà, je suis très heureux de m'exprimer en trio. En trio. Ouais, j'adore ça. Alors justement, on revient... En solo, j'aime bien. Oui, en solo aussi. On a vu l'impro précédente du côté du Sunset. Et c'est vrai qu'en plus, quand j'étais pas en solo. T'étais pas en solo, t'étais dans l'impro. Mais ouais. À un moment, quand ça part, et puis j'aime bien parce que moi, j'ai toujours vu ça. Je t'ai vu jouer, il me semble, il y a pas longtemps, avec, pour la dernière fois où je t'ai vu jouer, c'était avec Tony, Chasseur. Et c'est vrai qu'à un moment, on laisse M. Mario Canonge s'exprimer. Ouais, bon, ça dépend. Oui. Alors justement, quand on travaille, alors là, tu disais que ce besoin de liberté que tu avais aussi, cette sensation que tu ressentais. Donc quand tu prépares justement des dates comme celle avec Jérôme Castry actuellement et avec Alex Bernard, ça se passe comment ? Ben, ça se passe que, voilà, on se voit pour... Je leur propose un répertoire qu'ils travaillent chez eux. Mmh. Et on se voit et on se fait une répétition et puis voilà. Mais de toute façon, moi, quelles que soient les choses, je ne panique pas. Même si ça ne veut pas dire que je n'ai pas le trac, hein, quand je monte sur scène, je peux avoir une appréhension. Mais s'il se passe des choses je ne panique pas, je ne laisse pas voir qu'il se passe des choses, il y a toujours une porte de sortie. Donc il faut être clair dans sa tête pour pouvoir, s'il se passe quelque chose, ça peut être des autres musiciens, quelque chose qu'ils ont oublié, parce que là, ils jouent mes morceaux, moi je les connais, mais il y a toujours, je peux toujours prendre une porte de sortie qui fera que tout le monde se retrouvera... Tu sais comment mettre en tout cas les musiciens à l'aise. Oui. Et puis de toute façon, comme normalement le musicien qui t'accompagne est censé aussi de toute façon maîtriser son art. Il n'y a pas de problème. Donc tout se passe très bien. Voilà, donc moi je ne panique jamais, il n'y a pas de problème. Et en l'occurrence, là en plus, bien. Tu es accompagné d'un vieux frère, Alex Bernard. Oui, Alex qui connaît une bonne partie de mon répertoire. Oui, parce qu'on a joué beaucoup ensemble, il connaît pas mal de mes morceaux. Jérôme, qui est un excellent musicien, Jérôme Castry, donc voilà, d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Au Saint-Georges. Au Saint-Georges, à l'hôtel Saint-Georges. Ah, ça aurait été bien. Je pense que je veux commencer dans cette émission à justement recueillir les appréciations du public. Parce que c'est vrai que dès qu'on entend qu'un grand nom passe par là, fait un concert, on se dit on va y aller. Mais on a très peu des fois les retours et on sait quand même que les gens passent des bons moments. Les gens connaissent des fois les chansons, les gens se laissent emporter par les improvisations. Alors là, on ne peut pas trop danser. Il faut continuer à garder ces gestes barrières. Mais on danse dans la tête. Et puis on le voit aussi dans les yeux, dans le cœur, j'ai envie de dire. Oui, c'est ainsi. Mario Canonge, j'étais avec nous dans Before by Rebecca. Je rappelle qu'on est en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio aussi. Et puis première diffusion télé ce vendredi soir. Écoute, hein, juste le temps pour toi en tout cas de te rendre Marie Galante. Alors on rappelle. Faut m'envoyer l'émission. Oui, t'inquiète pas, mais bon. Tu peux la voir en télé, tu pourras la voir après sur YouTube, elle est mise sur YouTube dès le lundi. D'accord. Et donc je reprenais ces dates, donc Marie Galante ce vendredi. Alors tu te rappelles du lieu je vais vite faire aller regarder sur les réseaux sociaux de Jérôme, mais on revient. Mais en tout cas, Port-Louis aussi
du côté de Beauport et ce samedi, ouais. Et dimanche du côté du Plaisir à Pointe-Noire. Je sens, je ne sais pas pourquoi, que cette tournée va bien se poursuivre, oui. que tu t'éclates déjà. Mais bien sûr. Et que tu aimes. Je me suis toujours éclaté dans la et musique. Et on le sait, tu aimes la Guadeloupe. Ah oui. Tu aimes la Guadeloupe. Ah, je suis venu je ne sais pas combien de fois. Mais plus. Oui, j'aime beaucoup. Par rapport à ces dates justement qui viennent qui peuvent avoir lieu, ça va être quoi la suite? Alors je sais que tu joues beaucoup effectivement au Baiser Salé du côté de Paris. Des tournées qui reprennent, des choses qui reprennent. Oui, j'ai des choses qui reviennent, quelques concerts, oui. Et puis je vais commencer aussi à penser à des enregistrements, ouais. de choses que j'ai écrites. Pour toi, j'espère. Pour d'autres. Oui, souvent. Non, maintenant c'est souvent pour moi. Il peut y avoir des choses pour d'autres également, mais bon. Mais de toute façon, j'ai toujours des projets, toujours beaucoup de projets, et c'est ce qui m'anime. Et puis, je suis à l'écoute aussi de la musique des musiciens plus jeunes que moi, des gens qui font des choses intéressantes. Et puis, je trouve que chez nos musiciens antillais, il y a vraiment des choses maintenant très intéressantes. Il y a de très très bons musiciens, il y en a vraiment beaucoup, que ce soit dans le piano ou dans d'autres instruments. Il y a vraiment de très bons musiciens, des gens qui font de très beaux projets. Arnaud Dolmen, Grégory Privat, Jonathan Jurion, Soli Troupé. En plus des jeunes que tu n'hésites pas à toi à inviter sur tes projets. Tilo Bertolo, enfin il y a vraiment beaucoup. Enfin, je ne sais pas si Xavier Belin, c'est des jeunes. Il y a vraiment des choses qui se passent, et je suis très heureux de faire encore partie de cette famille. Ah. Voilà. Comme un grand frère. Je sais pas, en tout cas comme un frère. Comme Mario Casals. J'espère pas encore comme un oncle. Tant qu'on dit pas comme un grand père. Ou un grand père, c'est qui encore. On va se faire une avant-dernière pause musicale, pour pouvoir. On va dire se détendre. D'accord, avec plaisir. Avec Mario Canoche dans Before by Rebecca, puis on revient en plateau. Thank you.
Alors là, je voulais isoler justement deux périodes de ta vie de musicien que j'aime tout particulièrement. Ouais. Alors, Sac et Chaud, alors, c'est un groupe coup de cœur pour moi. C'est vrai que quand je vous ai découvert, je vous ai vu de nombreuses fois. Chez David Drumeau. J'allais dire en show, mais en tout cas, oui, ouais. Je vous ai vu de nombreuses fois. Alors, j'avais l'album, bien sûr, que j'écoutais en boucle. Et puis, Sac et Chaud, pour moi, c'était, je sais pas, c'était un mariage de différents instruments qui, voilà, c'est fait. Avec Andy Narel. Andy Narel. Michel Alibaud, Jean-Philippe Fanfan et moi. Ouais. Voilà, Sac et Chaud. Ouais. Et puis là, un groupe, alors, on s'est regardé. Quand les images sont apparues, parce que c'est vrai que c'était un sujet, un projet sur lequel on a travaillé ensemble, CAB, avec Big Bassi, Adriano, Tété, Tenorio, Dédé. Et oui, CAB, c'est pas un groupe qu'on connaît beaucoup ici, ni en Guadeloupe ni en Martinique. On est quoi qu'on a joué quand même, on est venu, mais c'est un groupe particulier où d'abord il n'y a pas de basse, c'est piano, percussion et chant. Et mais ça reste mélodieux. On vient de le voir là sur Oweyo. Très belle mélodie. Blick Bassi et moi, on a composé cet album. J'ai fait les musiques et lui et les textes. On avait fait une très belle tournée en Afrique. En Afrique, ouais. On était resté 2 mois et demi. En tournée en Afrique sans revenir du tout. On avait fait plus de 30 concerts dans 21 pays. Et tu me disais, ce projet, c'est un projet qui s'est fait, qui a connu un petit succès éphémère. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui ont l'album, tant mieux pour eux. Voilà. Finalement. En tout cas, il a existé. Je savais pas de qui aura, que c'est qui aura. Plus rien. On ne sait jamais. Il peut y avoir des. Parce qu'on est, on est copains. Mais on a toujours des projets différents, chacun. Des projets différents. Alors, Blick, que moi j'ai beaucoup recroisé après sur Paris, c'était quelqu'un aussi qui est occupé, on va le dire. Oui. Qui fait énormément de tournées, qui sort des albums. Oui, il n'est pas souvent sur Paris, alors qu'il ne vit pas à Paris. Il vit près de Bordeaux. Près de Bordeaux. Il a sa carrière, il écrit aussi. Ouais. Mmh. Très investi aussi dans la défense des droits des musiciens. Exactement, oui. Il fait partie du conseil, je ne sais pas si c'est du conseil d'administration ou enfin de la SACEM. La SACEM, oui. C'est un combattant. Et puis Adriano, pareil, dès qu'on a besoin d'un percussionniste. Adriano, c'est pour moi l'un des plus grands percussionnistes que j'ai rencontré, parce qu'il est vraiment complet. Il est d'origine. Moi, ce que j'aime bien, c'est ces petits instruments avec ces petites canettes, ces petites capsules de bière. ça fait du son. Il a des choses très particulières. Non, c'était un très, très, très bon musicien. C'était un beau groupe, le groupe CAB. On a parlé de CAB, mais on s'est pas étendu sur Sac et Chaud. Sac et Chaud. Sac et Chaud, c'est vrai qu'on ne joue plus non plus. Bon, on a joué beaucoup, on a fait des tournées aux États-Unis, en Europe, aux Antilles, beaucoup. Le dernier concert qu'on avait fait, c'était en Allemagne, où on était invité, où on jouait avec un big band. Donc il y avait un big band, il y avait un arrangeur. De ce grand orchestre de la WDR ou je me souviens plus d'une grande radio allemande allemande oui allemande et donc il y a eu ce concert avec Paquito de Rivera qui était le saxophoniste invité également. Et donc il y a eu un concert, on avait joué dans un grand théâtre de 2000 places, qui était complet ce jour-là, je me souviens. Et c'est un très beau concert avec un big band. Voilà. Marie Canonge, alors là on va être sur la vraie avant-dernière pause musicale dans cette émission Before by Rebecca. On rappelle que tu es en tournée avec le Tempo Jazz Créole avec Jérôme Castry et Alex Bernard. Une date ce vendredi soir du côté de Marie-Galante, du côté de Grand-Anse. Une autre date demain, samedi, du côté de Port-Louis à Beauport. Et puis tu finis en beauté, en espérant que tu nous reviennes très vite, mais tu finis en beauté ce dimanche. Du côté du plaisir à Pointe-Noire. On se fait là, c'est la vraie avant-dernière pause musicale, et puis on revient en plateau, finir de parler de l'actualité de Mario Canonge. Très bien. Thank you.
On a parlé justement au début d'émission de ces périodes de confinement qui nous ont touchés, et surtout particulièrement les musiciens et collègues, parce qu'il fallait être enfermé. Tu me disais que toi, tout allait très bien pour toi, que tu avais une grande maison avec jardin, et que, ben, comme on l'a pu le voir, sur les images... Dans un sous-sol. Dans un sous-sol, voilà, oui. Mais à la maison, avec ton portable. Voilà, j'avais fait ça avec mon portable, j'avais posté ça comme ça. Voilà, alors je te rassure, c'est vraiment les images que j'ai trouvées sur internet. Oui, en fait j'avais mis ça sur Facebook, je pense, et je suis arrivé sur, voilà, ça s'appelle Les Trois Fleuves. Les Trois Fleuves. C'est un hommage à la Guyane, ouais. Et au poète Damas. Alors justement Mario, ben, ça se trouve on est encore plein dans l'actualité. Alors c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a eu cette chance d'avoir pu être déconfiné, nous avons un couvre-feu à minuit, mais du côté de la Martinique, tu le verras dimanche, ouais. C'est encore un peu cloisonné. On a gardé, ils ont gardé en tout cas ce confinement, ce couvre-feu à 19h. Comment tu continues, toi, à vivre cette période de crise en tant que musicien ? C'est vrai que quand je suis allé, déjà, j'étais en Martinique au mois de juillet, professionnellement, enfin en tout cas, toutes les dates qu'on devait avoir ont été annulées. Hein. J'avais à peu près 25 dates, j'en ai pas fait une. Donc voilà, c'est... Et puis, bon, maintenant, il y a eu toutes ces tragédies humaines et qui continuent encore un peu. Bon, j'espère que les choses s'améliorent un petit peu. Et j'espère que ça va continuer à s'améliorer parce que c'est vrai que ça a été une période difficile pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Pour tout le monde. Personnellement, évidemment, j'aurais pu faire être sur scène, mais je veux dire, je n'ai pas... La santé avant tout, quand même. Oui, je ne vais pas dire que j'étais pas malheureux, quoi, ça va, quoi, donc je ne me plains pas. Mais c'est vrai que pour les jeunes musiciens, c'est encore plus difficile, quoi, ceux qui ont... quand on a 25 ans, qu'on a envie... Et de montrer ce qu'on montrer son travail et qu'on ne peut pas, c'est très frustrant, quoi. Donc je sais qu'il faut aider toute cette jeune génération. Bon, mais les choses sont en train de s'améliorer, et puis c'est tant mieux. D'ailleurs, tu as pu justement programmer ces fameuses dates en Guadeloupe avec Jérôme et avec Alex. Oui, d'ailleurs, nous avions déjà repoussé plusieurs reprises fois. À cause du Covid. Mais bon, mais les choses se font, et c'est tant mieux. Et puis, moi, j'ai recommencé à me produire. Mais tu fais partie de ceux, en tout cas, qui sont confiants, même si, effectivement, il y a aussi aujourd'hui cette discussion, cette polémique autour du pass sanitaire, parce qu'on ne peut plus trop accéder aux lieux sans avoir ce fameux pass sanitaire. Ouais, moi, je n'ai pas envie d'entrer dans ce... Dans chacun fait comme il pense. Voilà, ça, c'est... Bon, c'est pas mon rôle. Je n'ai pas envie. C'est un peu fatigant des fois qu'on demande aux musiciens, aux artistes, oui, qu'est-ce que vous pensez de... c'est pas notre rôle. Chacun fait ce qu'il veut. Bon. Même si aujourd'hui, moi, je vis en tout cas un choix qui est, je l'assume, et c'est voilà, je suis vacciné, c'est ainsi, voilà. Maintenant. En tout cas, le but, c'est en tout cas de pouvoir travailler, pouvoir se faire faire de la musique, pouvoir être à l'encontre de ce public que tu aimes tant. Mario Canonge, l'émission touche à sa fin. On a passé un peu plus d'une heure. Déjà, ça passe très vite, mais un peu plus d'une heure ensemble. Justement, tu parlais de tendre la main à la jeune génération. Un album qui, pour moi, est juste un chef-d'œuvre. Un duo qu'on a envie de dire atypique, mais finalement, quand on connaît l'étendue justement de l'éducation musicale de ce jeune interprète, on n'est pas étonné de... que vous soyez rencontrés, c'est effectivement Éric Pédurant, sur cet album Capital avec des textes, il faut écouter c'est les textes. Vraiment, vous êtes bien rencontre. Trouvé. Ouais. On regarde ce clip et puis après, ce sera le moment de se dire au revoir. Bon. Capital joue en nous rivé. Mario Canonge feat Éric Pédurant. Thank you.
Jouons-nous, rive, mes amis. Jouons-nous, rive, mes amis. Gardez pays en nous. Jouons-nous, rive, mes amis. Jouons-nous, rive, mes amis. La misère nous finit, mes amis. Voilà, c'est pour nous. L'air nous, rive, mes amis. Victoire là, rive, mes amis. Travail là, c'est pour nous. Ouais. Gardez tout ça, nous construit pour nous. Même si yo essaye poisonner nous. Qui s'agarde? Ça arrive, mes amis. Premier joie arrive, mes amis. Gardez pays en nous, mes amis. Jou la ça arrive, mes amis. Grand jour là, arrive, mes amis. La misère nous finit. Voilà, c'est pour nous. Jouons-nous, rive, mes amis. Joue la ça, rive, mes amis. Richesse là, c'est pour nous. Gardez tout ça, nous construit pour nous. Même si on essaye poisonner nous. Ça a été. On a essayé de brosser hein, toute ta carrière. Je crois que là, on finit en, fait, en beauté avec ce duo Capital avec Éric Pédurant. Là, c'est vraiment les coulisses de l'enregistrement. Tu me précisais justement que vous avez enregistré en live, oui, là, vous oui. êtes en studio. Ce ça, c'est la prise ce vraiment voit, la prise, oui. De ce qui va être après entendu qui sur l'album. L'album et oui. C'est vrai qu'on a un ressenti différent, parce que là, c'est, oui. on ne parle pas d'enregistrement simple. Là, c'est vraiment oui. du live, en fait. Oui, oui. C'est ce que le public après. Et je crois oui. que c'est pour ça qu'on a été tous, dès la première écoute, tous très voilà, oui, tous attirés par ce que vous avez proposé. Un bel album, un beau projet. J'ai eu la chance d'avoir fait quelques beaux projets dans ma ouais, vie. Il y en a eu d'autres. Hein. D'autres. On n'a pas parlé tellement de Rhizome non de plus. Rhizome, enfin, ouais, on l'a survolé. Mais Rhizome, c'était quelque chose d'important. Il y avait Roy Hargrove, le trompettiste américain ouais. qui est décédé maintenant, ouais. qui fait l'honneur de venir avec Jacques Schwarzbart. Ouais. Mais des projets, il y en a plein. Tu as le projet avec Zenino. Et puis il y a ce projet aussi avec Zenino, on n'a pas trop parlé non plus. Quintup. Quintup, ouais. Parce que je joue avec Zenino, ce contrebassiste en duo
chaque semaine dans un club parisien, au Baiser Salé, mais on a un groupe aussi qui s'appelle Quintup, avec Arnaud Dolmen et d'autres musiciens. On rappelle que tu as fait partie aussi de l'aventure Namkan de Jacob. Avec Jacob, Jacob m'avait appelé pour faire un peu travailler avec lui sur ce projet et je lui avais demandé si je pouvais faire quelques petits arrangements dans ces morceaux. On avait fait ça et puis c'était très sympa. Hein. Ouais, et alors moi j'ai noté, parce que j'ai regardé un peu, hein, j'ai regardé un peu ma petite fiche, parce que quand je préparais l'émission, je voulais aussi parler de Jocelyne Biroir. Mais avec oui, qui tu as travaillé. Avec Jocelyne, évidemment. Ouais. Jocelyne a chanté un morceau qui est devenu un standard, Non Monsieur. Non Monsieur. Elle a chanté un autre morceau de moi, deux autres morceaux. Il y a un morceau que j'avais fait pour un de ses albums, également, qui était un hommage qu'elle faisait dans le texte à Edith Lefel. Je ne me souviens plus du morceau, c'était une valse. Et puis un autre morceau à moi qu'elle avait chanté qui s'appelle Cui Modio, qui était une begin. Cui Modio. Mario Canonge était avec nous dans ce Before Rebecca, by Rebecca. On rappelle les dates. Alors, dès ce soir, ce vendredi, Casa Sic, enfin. Oui, c'est du côté de Grand Anse à Marie-Galante. Demain, samedi, du côté de Beauport à Port-Louis. Dimanche, du côté du Plaisir à Pointe-Noire. Mario Canonge est quelques jours avec nous. Oui. En Guadeloupe. Avec plaisir. Je vous rappelle que l'émission est diffusée hein, en télé à partir de ce vendredi soir 20h30. Demain samedi aussi, rediffusion. Vous avez aussi des diffusions ce dimanche. Et puis après l'émission, tu pourras la retrouver sur YouTube. Tu pourras la regarder chez toi quand tu seras à Paris. Ouais. On salue Mario Canonge. On le remercie hein, d'être passé par là. C'est moi qui de s'être arrêté, de nous avoir parlé de cette riche et longue carrière. Regarde bien après le générique parce qu'il y a une surprise qu'il fallait que je t'offre. Parce qu'on ne pouvait pas finir cette émission avec Mario Canonge sans ce chef-d'œuvre que tu as aussi composé. Je regarde.